Do you hear the whispers in the wind? The stories from here and there? The tales and fables that awaken dreams? Utopias inspiring our curiosity and the irreversible desire to expose the facts. The need to separate the truth from the false. Many things are said about the Hunza Valley. Its beauty is so great that peace and quiet has always ruled here. They say the water that flows through here is so pure that those who drink it will live to be 100 years old. A place where the mountains are so high and the glaciers are so deep that they radiate energy, imposing respect from all living beings. Everything is in its place, like a precious stone. Myth and legends are only stories awaiting to be lived. Today, we follow three skiers from Chamonix Mont Blanc who will go further and go higher to open our eyes and break the cliches. And with this eternal magic in them, discover the most preserved and hidden treasures. Because there are many valleys to cross. Because there are many cols to pass. Because at the top of each summit, there is a truth. Here we are. Welcome to Pakistan. And according to the guide 100 Places Not to Visit in the World that was published in September of 2001, it is best not to panic when you step foot into a country that is highly unrecommended as a place to visit. Oh! Démonter la voiture, je crois qu'on a pété l'auto. It is key to start our trip out on the right note. The heroes of this adventure did not arrive here due to a typo error on an old internet site. They are here on their own free will. Voilà, c'est parti. Ouais, deuxième embouteillage, deuxième travaux. Je crois que ça va être ça un peu tout le long. Sam could have imagined building his life around simple principles, like having a green thumb or hell, eating organic. But instead, this guide's son ended up becoming an expert at using his lower limbs in diverse environments. Nature equally gave Sam a granite build, which gives him solidity in every trial. The youngest of a brotherhood of three brave hearts, Leo was fast to realize that his motor skills would lead him towards the summits. Blinded by confidence and motivation, he quickly found himself on top of the podiums. As planned, Leo today is a champion, a world champion. And even though he doesn't hide his passion for competition, Leo remains a playful child of the mountains. Pika, a young family man and high mountain guide. It's not his first escapade towards the unknown. His nickname suits him well. Pika, contrary to his appearance, is a formidable mountain man. His small stature and rare agility are his best allies. Rich in past experiences and wisdom, he is the cornerstone of this project.
the curious project of spending their holidays in a Muslim country where women are veiled, alcohol is banned, and to stumble in the midst of bearded men with Kalashnikovs that lead their steps to their final destination, base camp, Karimabad. Baltit, heart of the Hunza Valley. Renamed Karimabad after the birth of the Islamic Republic in August 1947, still remains a haven of peace. Here, these followers of Ismailism, a more liberal branch of Shiite Islam, claim a freedom of thoughts like nowhere else in Pakistan. Open minds in bodies filled with purity. Hunzai people are not same race. Four tribes came from Central Asia. Some people came from Tibet. Two tribes in this village, they have blue eyes, white face, tall people. So we call them Jerov and Berjov. To this day, no one is certain of the origins of the Hunza, but all agree that it is a coming together of more than 20 tribes from Central Asia, Russia, Tibet, and even India, intermingling over the centuries. In Karimabad, the ethnic appearance can vary greatly, but it's hard to distinguish hidden behind the ever-present smiles. Some races rise from the mountains, from the sky, from the trees, so it affects on the human mind and human heart. Here they speak of an invisible force which makes hearts and minds vibrate, which keeps people happy and safe from any danger. Okay, Jawed, so we're good to go now? Look, the weather is perfect now. Everybody is good shape. And vamos a la montaña. Le but de ce voyage au Pakistan, c'est vraiment de partager une expérience unique. Chinese language? No, I don't know. Can you speak French? La pita en Samia. Contrairement à une explique classique où on vise un sommet en particulier, le but de notre projet, c'est vraiment de skier un maximum de lignes. Et surtout dans l'esprit de découvrir ce magnifique massif du Karakoram. Alors on fait les coups. Allez, Kylian! Ça fait une semaine qu'on est avec Jawed, c'est la personne vraiment qui s'occupe de nous. Qui est un peu notre nounou sur ce voyage et qui nous aide énormément sur l'organisation, la logistique aussi pour tout le voyage. Non, ce que j'ai trouvé touchant de Jawed, c'est qu'il a... Ouais, ils vivent quand même franchement dans un environnement précaire, une maison assez rustique, avec ses parents, sa sœur, ses quatre enfants, sa femme, son frère. Jawed is not only a man of confidence, he is a great connoisseur of the Karakoram Mountains, an indispensable asset for the exploit at the center of this quest. In our case, it is no small feat for our riders to live their particular passions in such a particular place. Thanks to long and careful preparations, their fear of the unknown slowly fades away at the sight of the beauty of the lines reflecting in their eyes. It's been a real journey to get all the way here. Drawing lines,
on virgin slopes, like on a fresh canvas. A simple idea coming from nothing and slowly growing into a masterpiece. In an infinite space of pure creativity, armed with their respective tools, these artists pursue their design. Looking up, seeking out the pearl. In all this daunting beauty, their eyes settle. Little by little, meter by meter, they grow accustomed to the differences, transform. SBK. Yes, Sam. 4006, sous le Mirchika. Avec belle vue sur le Rakaposhi. Tu m'étonnes. Belle vue sur tout, hein. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Yes! Even if the exercise remains perilous, it is not about the performance or the success, but simply awakening our primary instincts in the attempt to find our path, to seize the danger, to stay on our feet, and to soak up the most powerful energies. Plaisir. Énorme. Yes. Yeah. Et on l'aille. Merci les boys. Sam, Leo, and Pika have just brilliantly demonstrated that skiing is nothing more than going up and down snow-capped mountains. Démon. Let's keep in mind, without the mechanical advantages available at home, things take a little longer. Belle journée, belle petite ligne. Il y avait une belle équipe. Pika qui a bien fait la machine aussi. J'ai pas réussi à le doubler. J'ai essayé, mais aujourd'hui il était en forme. Rambila, tic-tac bas, mais comment il va? Tic-tac bas, Rambila. Non, belle journée avec les boys, c'était cool.
To better understand where the Hunza people live, it is good to be reminded of this important fact. The Karakoram is the mountain range situated northwest of the Himalaya, summiting at 8,611 meters. Less known as it only harbors the second highest mountain in the world, nonetheless immense, imposing, and spectacular. Ça pique. Pas le genre de signe qu'on aime trop, ça. Scientists even consider the ice of the Karakoram to constitute the third pole of the planet, one of the only places on Earth where glaciers still flourish. Spreading over 500 kilometers, this alpine belt contains a myriad of peaks with altitudes over 6,000 meters. Beauty is the mistress here. She is the guide, surpassing all things. Showing which route to take in this unequal diversity. She is the mother of all decisions, good or bad, whatever the outcome is, she is the catalyst of emotions. Without her, there is nothing. These mountains have so much to give. But in an Eden where nature rules, men and women had to work hard to find their place. Unfortunately, sometimes nature decides to unleash its untamable force and all must start over. The village of Atabad in 2010 was submerged by water, following a 14-kilometer landslide further down the valley. The rockfall cut the river's course, creating a 21-kilometer long lake. This event changed everything. Over 2,500 people had to rebuild their lives in this new geographical setting, with new habits forming in this alien environment. An event like this stops the essential. Water. The essential element of life, to hatch, to develop, to prosper.
this element has been channeled and guided for generations, leaving our contemporaries hundreds of kilometers of passages. This maize, dug out of dirt and rocks, to this day feeds the fields and waters the Hunza. So, Jawed, is it good, this water? Yeah, dancing water. It's come from direct the Ulthar Glacier. It's very tasty. If you want, you try it. As Jawed would say, don't be fooled by its appearance. This water, which at first glance looks undrinkable, is perhaps the best water in the world. The poorest and the richest people in the country want a taste of the dancing water, containing minerals said to offer a gateway to eternal life, a fountain of youth. But is this the only secret of long life and happiness? My name is Gul Aftab, and I am living in Hunza, particularly in this village, Alti. So at the beginning, the teachers are trying to teach them how to protect the nature. This is the main purpose. And we are focusing on moral ethical values, because respect, integrity, fairness, hardworking, pluralism, these are the core values. And how to make yourself as a good human being, how to develop yourself, and how to provide a quality life for your children. For Hunza people, as in any community, the knowledge transmitted here preserves identity. To protect their beliefs and customs, locals opted for a simple life with strong moral principles. This does not prevent them from dreaming of other horizons and to build a future where certain things are doomed to disappear. In this evolution, each generation has a role to play. Every day in Karimabad has its share of surprise. And while women are absent from public place in many mountainous areas in the country, here they work in both social and manual work. A sharing of the tasks is essential in both the professional life and the private life. This gives the families of the village the force to advance daily together. Living with nature here is without a doubt the key to happiness, but it is the mix of civilizations which gave birth to this benevolent culture. A maternal one, that helpful hand to guide you when you decide to lose your way between the township of Barakun and the hamlet of Pitakesh. Aujourd'hui, on est en repérage. On va explorer une nouvelle zone. On a pour le moment vu que par Google Maps. La seule chose qu'on ait, c'est ce screenshot. I hope we find some good place for skiing. Hein? Inch'Allah. Je pense qu'à la maison, ça devient vraiment de plus en plus compliqué d'innover, de faire des nouvelles choses. Et ici, j'ai vraiment l'impression de vivre quelque chose d'unique, de faire un retour aux sources. Pour moi, c'est vraiment maintenant que l'aventure commence. La route, elle est monstre bonne. On approche, il y a de la neige.
Maintenant, il va juste falloir trouver un pont pour traverser. This valley going right after. But we want to go here. Al-Babur. Même si tu crois être bien organisé, en fait, tu te rends compte que bah, tout ce que tu essayes de faire, ça part en freestyle complet. On a récupéré 30 porteurs au dernier village et puis faire un petit peu de route pour trouver la bonne vallée et puis être sûr de s'aventurer au bon endroit. On est à Arbabar. Entre Barakoun et Pidakesh, puis on a enfin trouvé notre vallée. À part des bergers, des paysans, on est certainement les premiers à s'aventurer dans cette vallée. Pas à pas, on a commencé à découvrir un peu ce qu'on imaginait juste à partir d'un bout de carte et puis d'une photo satellite. C'est un peu comme rêver d'un endroit et de s'y réveiller. C'est incroyable. Jolie montagne ici. Super. Comme c'est énorme. On se rend compte qu'on est vraiment juste au début de la vallée. Quoi. On va avoir un camp de base sur les 4003, 4004. Allez, peut-être là au plus bas, 4200. Et je pense qu'on va pouvoir skier entre 5005 et 6000. Donc si on peut trouver le mix entre l'altitude et la belle ligne, ça serait encore mieux. Je suis vraiment parti là-bas en ayant la démarche d'apprendre, d'observer. Je ne sais pas comment tu skies à 4005, à 5005, comment tu te sens, si tu aimes ça. On part pour faire un 6000. À la journée, on sait que physiquement, ça va être très dur. On ne peut pas anticiper ce qui va se passer. On n'a pas repéré la ligne avant. Donc voilà, physiquement, on sait que ça va être dur. Et on a aussi tous ces facteurs de danger et des conditions de neige à un moment qui vont peut-être nous freiner ou pas à la montée. Il y a cette part d'inconnu qui donne envie d'essayer d'aller voir et de se dépasser aussi soi-même. Voilà, bonne petite chale à 5002, 5003, 5004 peut-être. Bien deep là. Bien dur. Ça va pas être facile. Quand tu te retrouves au pied d'une grande montagne comme ça, et surtout loin de tout, perdu au fin fond du Pakistan, tu te poses un peu plus de questions qu'à la maison. Et une petite part peut-être de peur. T'es amené peut-être à réfléchir un peu plus et être, on va dire, plus à l'écoute aussi de ce qui se passe autour. Le crew rider pour le crew média, comment ça se passe pour vous? Ça a l'air un peu compliqué, non? C'est quand même bien exposé, plein de corniches et de champignons. On va monter encore un petit peu. Il y va, on n'y va pas. Là, on s'est quand même bien fait assommer par le soleil, quoi. C'est un peu triste pour nous, mais je pense qu'on va jouer la sécurité aujourd'hui et on va redescendre gentiment. On ne peut pas se permettre de jouer avec le feu. Et surtout là, à ce moment-là, où on sait que la prochaine heure de marche, ça va être la roulette russe. Donc oui, il faut savoir renoncer de temps en temps, et je pense que c'était la sage décision à prendre ce jour-là, et on n'a pas regretté notre choix. Des champignons de 15 tonnes au-dessus de la tête, et tout le monde en bas te dit que s'ils tombent, ils finissent droit sur toi. Et à un moment, il faut être raisonnable. Après 5 heures de marche, un peu chier de se dire qu'il faut faire demi-tour. Non, je t'avoue que je suis fatigué. Des fois, la nature te remet à ta place, et c'est là où il faut savoir aussi s'écouter pour renoncer et puis passer à autre chose. Trois jours, t'enchaînes trois journées à faire du 1500 mètres de dénivelé à une certaine altitude et d'envoyer des efforts de 6, 7, 8, 9 heures d'affilée, ça use quand même pas mal et on s'est grillé pas mal d'énergie et des cartouches à ce niveau-là.
quotidien depuis 3 jours. Entre neige et cailloux. On est passionné de ski et c'est cette passion qui nous motive aussi tous les matins à se réveiller et puis à nous pousser aussi à faire des choses différentes. Et c'est une façon aussi de s'échapper un peu de la société, de se reconnecter un peu avec la nature et c'est des choses fortes. Ah, Samy. Superbe. Cette petite ligne de récup est top. Ouais, ça va, ça. Comme il fait le malin, je trouve. Si près mais si loin. Ouais. Fais gaffe, Pika. Yes. In life, difficulties are made to be overcome. Failure is never an end in itself. Even if certain trials seem unconquerable, even if sometimes you have to turn back, like the Hunzas, to reach your dreams, you can never give up. You must start over, again and again. Yes, les dudes! Oh, mes jambes! Yes, les manies! Yepa! Yes, Ron! Merci à vous! Ouais, c'est encore pas pire, hein! Traverse bien rapidement là pour voir un peu mieux comment ça se profile. You ready, boys? Ready! All good!
Là, peut-être, non? Quitte à remonter, ou alors on va gratter plus bas dans le fond du couloir et remonter un peu plus la moraine. Là, non? Yel, pas qui? Check ça, gros. Prends une putain de ligne. Prends une belle ligne, ouais. La ligne de récup. Oh. On a pris. Nothing happens by chance. We cannot repeat this enough. To achieve one's goals, you must be realistic and accept to adapt yourself to any environment. And in the end, you keep only what's best. Thank you, Ali! Aslam alaikum! We could have devoted this adventure to the dramatic aspect of things, remembering that problems are not far away, that death is always present, or that the organization and security are the foundations of this type of enterprise. But what is the most important? What do we retain once we get home? Certainly not the screams and the pain, nor the hurt or the fear. We came here to fill our minds with smiles, to reinflate our hearts with a big dose of happiness, to lose ourselves without ever feeling alone. Bon, on vient d'arriver au parc. Voilà, on est prêt, on est en train de décharger, on a fini de décharger les bagnoles. On a récupéré tous les porteurs et puis on va s'éteindre un peu tout le monde et on va monter au camp de base pour aller installer tout ça. On est à la pesée de nos sacs pour répartir les poids entre chacun. Une bonne ambiance, je veux dire. Moi, c'est une belle ambiance. On se croirait sur le souk. It is an equation of two unknowns, where everyone gives what he can. But for the reciprocal to work, everyone must respect the needs of each other, without asking too much. Be satisfied to coexist. Je prends juste 1% de ce que je vis au quotidien par rapport à tous ces jeunes-là qui viennent nous aider, eux qui trouvent un moment de différent de leur quotidien à porter nos sacs, tu vois. Moi, je peux seulement la fermer, quoi. Je trouve que ça va être bien marrant parce qu'il y a tous les porteurs qui arrivent. Every day learn, but keep your child a soul and inspire others. We must take the time to breathe, look deep inside. So many paths to follow, so many answers to find. I'm Javed Ali. I belong to Hunza Valley, Gilgit-Baltistan of Pakistan. I'm a rock climber and mountain guide. I am a lucky person. I get a chance to learn some techniques from Chamonix. And now I have a diploma, international mountain leader. After training in Chamonix, when I returned back in Islamabad, there was competition. And luckily, I win. I get a medal, first Pakistani rock climber in Pakistan. It's 19 to 20 years I have experience, and especially with the expeditions, trekking, ski groups. In 2004, there was an expedition for this peak, and I asked to local people with the name of this peak. Then nobody asked me, no, this is a nameless peak. And after, I give the name Barbara, because I climb with the Barbara this peak.
Now the old people, they called Barbara Peak, Barbara Peak. I don't know where she, but the name is here, Barbara Peak. Yeah. Javed nous avait rien dit. Et quand on est rentré, il nous a dit, ah, mais le Barbara Peak, c'est moi qui l'ai ouvert en fait. Avec une cliente qui s'appelait Barbara. Ça n'a pas été regrimpé depuis, donc voilà, on a fait la deuxième avec les skis sur le dos. C'était fou. Non, ça, je pense que moi j'ai chanceux de la vivre celle-ci. C'est un peu humide ce matin. Oh, ça commence à piquer. Qu'ils disent? Écoute, matinale. Ouais, ça fait déjà bien 2 heures qu'on marche au clair de lune là. Hein. Ouais. Il est quoi, 3 heures du mat? On a encore quoi, 6-7 heures de marche? Ouais, un petit peu moins j'espère. Puis d'ici une bonne heure, heure et demie, on aura le jour. Ça, Léo? C'est un peu court, mais ça va. Oh, on s'approche bien des 5000, là. Hein. Je pense pas qu'on est souvent amené dans la vie à se retrouver face à nos réalités. C'est une perpétuelle remise en question, ici, quand on évolue. Tu fais face à des longues randonnées, tu passes 8 heures de temps à tergiverser dans ta tête. Du coup, c'est fort. C'est vraiment fort. Pika, qui arrive. On est au sommet du Barbara Peak. C'est magnifique. La vue. Splendide. Et Léo. Qui en chie aussi comme vous. Et ouais, on en chie tous là. First we thought the summit is just here, but in fact it's this one. No, but it's after more it's behind. This one. It's looking like this sharp one, no? On a chié, ça a été dur de s'accrocher jusqu'en haut, mais en même temps, on nous a tellement apporté une belle énergie sur tout ce voyage que il fallait qu'on aille marquer le coup, que ce soit pour nous, mais aussi pour tous les gens qui ont fait en sorte que ce jour-là, on se retrouve aussi sur cette montagne. Et voilà, on a eu beaucoup d'émotions personnelles, tous les trois qui ont refait surface à ce moment-là et qui nous ont aussi donné cette force d'aller jusqu'au sommet. On se dit peut-être un fait de proximité, plus on monte haut, plus on est près du ciel, près des cieux, je sais pas. Malgré que j'étais à deux doigts de tout vomir, je voulais quand même y aller. Quoi. Il n'y avait pas moyen que je tourne les pieds à 200 mètres du sommet, c'est clair et net.
Ah ouais, je vois. Bonne journée. Merci pour tout. Ah, ça fait du bien d'être là. Rapique. Ce qui était marrant à la fin de la journée, c'est de voir la réaction de Jawed quand on lui a dit aussi qu'on était allé au Barbara Peak. De voir dans ses yeux aussi qu'il était touché par ce qu'on venait de réaliser ce jour-là et que certainement ça lui a fait aussi ressortir des émotions qu'il a eues au moment où lui a réalisé ce sommet. Are you like too much mountains? And you are free in the mountains, and that's why we get more power from the nature. There is something inside. We can feel there is some power inside. We have a good relation, like a family relation. This is the gift from mountains. On a vraiment reçu une très belle leçon de vie aussi de leur part, et c'est des gens très touchants, des gens accueillants, c'est des gens qui nous ont aussi fait partager cet état d'esprit, ce respect énorme qu'ils ont pour la nature. On se doit vis-à-vis de ce peuple de retransmettre tout ce qu'on a reçu sur place. كاي هزار سال نيار مو انترس ملتي نسام قدرتي افات بس ان توس ان كلايمت تشينج ان كنت خدايا كنت نسام مهم تري بير من غير ما تبديل كنت زمان مزا غير ما تموزا مزا غير مو تو دو ان تشاند اي تي مي مر اليوم تشالنج بلا ما هول تاكوز شي قام مي تو مي يسواج كي تيرمين ار كي نيتشوان كاتشارلي بيتاس تاسيتاس گوکه چیزی می‌تونم بگم یعنی که چیان واجی تا که این جمله سال رو از گانه کم از کم گونه‌ای از آن بگم. خوش شکر.